La MG-42, l'une des mitrailleuses les plus efficaces jamais construites, fut conçue en 1937. La technique d'emboutissage du métal n'en était encore qu'à ses balbutiements, et on ne l'avait jamais utilisée dans la fabrication d'un objet si compliqué. Habitués à faire des armes de la plus haute qualité, les armuriers traditionnels étaient horrifiés à l'idée de les fabriquer en découpant le métal, pour ensuite presser et souder les pièces. Cependant, à l'automne 1941, la MG-42 passa avec succès les derniers tests de tir. La MG-42 était de fabrication rudimentaire, mais elle était extrêmement stable. Son système de chargeur était très simple et son tir exceptionnellement rapide. Sa production massive fut autorisée en 1942, chaque unité ne coûtant que le quart du modèle précédent, la MG-34. Quand les Alliés s'emparèrent de la première MG-42, sa performance étonna les experts. La MG-42 était très appréciée des troupes de la Wehrmacht, malgré ses quelques faiblesses. À cause de son tir rapide, beaucoup de munitions étaient gaspillées, et elle avait tendance à devenir instable après des tirs automatiques prolongés.